Tristan Nito, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes notamment connu pour avoir participé à la cofondation de Mozilla Europe. Oui. D'accord. Structure que vous avez présidée pendant 9 ans et à qui l'on doit notamment le développement de Firefox, le moteur de recherche. Aujourd'hui, vous êtes vice-président de Quant. Oui. D'accord. Quant est un moteur de recherche révolutionnaire. Oui, alors ça a ceci de très particulier. Alors, déjà, il est français, c'est pas rien. Il est même niçois, je dirais. Mais ce qui le différencie surtout, on sait qu'il est européen, il est destiné aux Européens et il a cette particularité de respecter la vie privée de ses utilisateurs. Il faut savoir que sur tous les autres moteurs de recherche dans le monde, qu'ils soient chinois, russes ou américains, tous espionnent leurs utilisateurs pour tout savoir d'eux. Parce que les vrais clients des moteurs de recherche, ce n'est pas les utilisateurs, c'est les annonceurs publicitaires. Nous, chez Quant, on a un business model qui n'est pas fondé sur l'espionnage et le pompage des données personnelles. Vous arrivez sur Quant, vous posez votre question. La seule chose qu'on sait sur vous, c'est la question que vous avez posée. Si vous faites une recherche sur vélo, on va vous mettre de la publicité sur les vélos, on va vous mettre des résultats du web sur le vélo. Et puis, si vous revenez 5 minutes plus tard, on n'a aucune idée que c'est vous qui étiez là 5 minutes avant. Et ça, ça change tout de respecter la vie privée, parce que la surveillance de masse qu'on connaît avec les Google, Facebook, etc., j'espère bien que c'est du passé, que ça se fait plus, quoi. C'est fini, ça. Justement, vous parlez des GAFA et c'est le thème de la conférence que vous allez co-animer tout à l'heure. Les GAFA vont-ils gouverner le monde ? Alors, dites-nous. Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, il y a un gros risque que les GAFA gouvernent le monde, mais seulement si on les laisse faire. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Quant. On ne veut pas laisser les GAFA faire. Pourquoi les Américains, ils ont leur moteur de recherche, les Russes, ils ont le leur, les Chinois, ils ont le leur. Pourquoi est-ce que nous, Européens, on n'en aurait pas un moteur de recherche ? Alors, il faut qu'on ait le nôtre. Voilà, pour qu'on soit souverain en France et en Europe. Mais en plus, il faut qu'il soit en accord avec des valeurs européennes. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on va fêter les 70 ans dans quelques jours, eh bien, elle est là, elle est d'origine européenne et elle dit clairement qu'on a le droit à la vie privée. Et ça, ça passe par le moteur de recherche. Parce que sinon, un moteur de recherche, il sait tout sur vous. Quand vous vous levez le matin et que vous avez une rougeur mal placée, vous ne savez pas encore si vous allez en parler à votre médecin, mais vous posez la question à votre moteur de recherche. Et si c'est Google, il sait que c'est vous, il mémorise, il s'en souvient. Et Google, il n'a pas signé le serment d'Hippocrate. Vous voyez, c'est pour ça que chez nous, chez Quant, on fait un moteur de recherche à qui vous pouvez poser ce genre de questions, en sachant que ça ne pourra pas être retenu contre vous, puisqu'on ne sait pas qui pose la question. Donc en fait, lutter contre les GAFA est finalement une affaire qui implique tout le monde. Eh bien, ça veut dire qu'il faut avoir des entrepreneurs qui créent des alternatives éthiques aux GAFA et il faut ensuite que les citoyens qui sont conscients de leur liberté utilisent ces nouveaux outils qui respectent leur vie privée et leur liberté. Il n'y a plus qu'à. Ben voilà, allons-y. Merci. Je vous en prie.